personne ne travaille ici. Un peu plus vite, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. Ouais. Puis-je t'aider? Qui es-tu? Je suis toi. Nous, hommes de la terre. Où suis-je? Au jardin d'Éden. Le tien d'avant. Non, ce n'est pas le mien. Il y a trop de mauvaises herbes. Pas mauvaises, sauvages. C'était le temps où l'harmonie régnait entre la nature et l'homme, la flore et l'animal. Ce monde était entre tes mains. Bonjour, Julie. Alors, au début, ça commence très très bien. La nature est un grand supermarché où tout est gratuit. La femme à cette époque-là est fertile. Et tu parles de quelle époque, là? Alors, c'est le paléolithique, enfin, préhistoire, hein? Paléolithique, néolithique. Avec le troc, il y a une socialisation qui se passe. C'était ton jardin d'Éden. Le globe compte 1 milliard de bouches à nourrir. Grâce aux engrais, aux nitrates, aux phosphates, aux insecticides, pesticides. Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'il y a des agriculteurs qui cultivent leurs terres en respectant la nature. Et on voit le résultat, ici c'est un beau jardin. Donc tout espoir n'est pas perdu. Regardez autour de vous. Tu y crois encore ? Et toi, quelles sont les deux choses les plus importantes dans ta vie ? Alors, toi aussi, c'est la terre. Et l'autre chose, c'est quoi? Thank you.
vois, Julie, tu en sais des choses. Regarde Adam, d'autres civilisations ont perduré, comme à l'origine. Pourquoi ? Je t'ai donné la réponse.